Donc ce que vous voyez devant vous, voici une vieille clé à tube entière. Et si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous montrer étape par étape comment enlever la rouille de cet ancien appareil métallique et le transformer en un nouveau clé à pipe brillante mais méconnaissable par rapport à son aspect précédent. Donc la méthode que je vais vous montrer ici est très simple et ne nécessite aucun équipement spécial ni aucun produit chimique spécial que vous ne pouvez pas trouver. Vous allez donc avoir besoin d'une brosse en acier comme celle-ci ici et vous pouvez la trouver dans votre quincaillerie locale et vous achèterez également le vinaigre blanc comme celui-ci, les deux sont très bon marché. Donc les toutes premières étapes seront de frotter et de laver la surface extérieure de votre métal avec une brosse en acier ou une brosse en fer comme celle-ci. Ici vous pouvez la trouver dans votre quincaillerie locale. Il vous faudra aussi un vinaigre blanc ou un jus de citron ou tout autre acide faible que vous pourrez trouver chez vous mais pour moi j'utiliserai ce vinaigre blanc ici. Donc la toute première étape consistera à gratter et frotter la surface extérieure de votre métal pour enlever la surface extérieure de l'excès de rouille avant de passer à l'étape suivante.
Donc après l'avoir lavé avec du vinaigre et de l'eau et ne voyant toujours pas de bons résultats, j'ai décidé de tremper ma clé à pipe dans un vinaigre et de la laisser pendant environ 24 heures. Après 24 heures de trempage de mon métal dans un vinaigre blanc, il était temps de le sortir et de continuer le processus de nettoyage. Après environ 24 heures de trempage de mon métal dans un vinaigre, il semble maintenant qu'il est très facile d'enlever la rouille de cette clé à pipe car elle se détache très facilement lorsque je frotte sur sa surface. Ainsi, après avoir gratté la surface de nos pièces métalliques pendant un certain temps, nous avons pu éliminer la rouille de notre outil en métal. Comme vous pouvez le voir ici, notre outil en métal a l'air brillant, neuf et exempt de rouille. Cela ne serait pas possible si nous ne le faisions pas.
laissez notre métal tremper dans un vinaigre blanc pendant environ 24 heures, donc une leçon à garder à l'esprit ici est que le vinaigre ou tout acide faible n'enlèvera pas la roue instantanément, mais vous devriez le laisser tremper toute la nuit afin de laisser suffisamment de temps à l'acide pour réagir avec l'oxyde basique qui se trouve autour des pièces métalliques. Une autre chose à garder à l'esprit est qu'une fois que vous avez enlevé la rouille de votre surface métallique, votre outil en métal ne sera pas exempt de rouille pour toujours, mais vous devez trouver des moyens simples d'empêcher la rouille d'attaquer à nouveau votre métal et cela comprend l'application huile sur sa surface et pulvérisation de peinture sur sa surface, ce qui non seulement empêchera la rouille de se reproduire, mais donnera également à votre outil en métal un nouveau look brillant. Comme pour aujourd'hui c'est dimanche et la plupart des quincailleries ici sont fermées, je voulais acheter de la peinture en aérosol, mais je ne peux pas, c'est pourquoi j'ai enduit mon outil d'huile en attendant le lendemain pour acheter une peinture en aérosol. Cette huile empêchera tout plus de rouille ne se produise pendant que j'attends d'acheter de la peinture en aérosol. Le lendemain, j'ai lavé l'huile et j'ai commencé à appliquer de la peinture en aérosol. Vous pouvez également l'obtenir dans vos quincailleries autour de vous. Bien sûr.